Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve, et oui, mieux vaut tard que jamais, ma froutin. Je vous filme, parce que j'ai des choses à faire, je vous filme là tout de suite, je vous mettrai une petite photo, alors je ne sais pas où je vais l'intégrer, parce que je ne sais pas trop comment on fait le montage avec les photos, de mon fond de départ. Donc là, je fais quand même ma vidéo sur, à la base, 6 fonds, ça veut dire 6 mains. C'est un fond de départ qui a passé de main en main. Donc les participantes, il y avait donc Yann de la chaîne Pierre Papier Ciseaux by Yann, de Isacrea, la chaîne de Nanny Scrap, et deux copinettes qui n'ont pas de chaîne, donc Fanfan et Mimi. Donc elles ont tout mis un élément, mis leurs pattes dessus. Et à la fin, on retrouve notre fond d'origine. Et on doit en faire une création. Donc là, notamment, je reste forcément sur la pelle parce que donc je l'ai coupé. Donc j'ai reçu ce fond comme ça. Comment vous dire que je n'étais pas du tout au départ. Vous verrez, je vous remettrai plusieurs fois la photo pour vous aider. C'est le temps de voir le fond de départ. Je n'étais pas partie du tout là-dessus. Mais pas du tout. Voilà, enfin bref. Donc, je l'ai coupé. Je ne sais pas trop quoi en faire, j'ai réfléchi, voilà, et je vais en faire donc une PL. Ceci dit, moi au départ, j'avais pris un papier aquarelle de 300 grammes. J'avais fait des pochoirs, donc on peut les voir là, je vous montre. J'avais fait donc ces pochoirs à la base, en pâte de structure, c'était une vitre cassée. Et un fond bleu, voilà, bleuté comme ça, un spray. J'avais utilisé un spray métallique pour faire le fond, point barre. Voilà, c'est tout ce que j'avais fait. Je vous dis toujours la petite photo qui sera peut-être là, ou avant, ou après. Voilà, voilà. Ensuite, il est passé chez Mimi. Mimi a fait de l'embossage à chaud. Alors, pour vous dire où que c'est, je n'en sais rien parce qu'il y a tellement de trucs de fait. Elle a fait donc de l'embossage à chaud sur la pelle, je ne sais pas où. Un petit peu, je ne sais pas du tout, je ne vois pas. Ensuite, Mimi l'a passé à Fanfan, qui Fanfan a fait du pochoir pâte de structure craquelée. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas du tout, parce que franchement, voilà, elle a fait du pas. Voilà. Ensuite, c'est passé à Nanny, qui a mis en lumière avec du Posca et du crayon, du Posca noir et du gel blanc. Donc voilà, je pense, parce que là, au départ, je pense que Fanfan avait fait des, des animaux marins. Je pense que je ne sais pas ce qu'il y avait dessus. Je pense qu'il y avait un hippocampe là qui a été caché. Et je dirais tant mieux parce que je n'étais pas partie là-dessus. Et donc je pense que Nanny a fait ressortir les bébêtes marines avec du Posca. Ensuite, de Nanny, c'est passé à Isacrea qui a patiné en bronze. Certains pochoirs, pas de structure, elle a mis du bronze hein, un peu pertu, et sur le, voilà, sur le pochoir du Stampera du départ, voilà, c'est un pochoir Stampera que j'ai utilisé au départ, donc je rappelle, je yoyote, la photo sera là, vous verrez le fond que j'ai fait au départ. Ensuite, il est passé dans les mains de Yann, qui a fait du collage de pouring, c'est sublissime, j'adore. Donc, elle, en fait, elle n'avait pas forcément beaucoup de place pour travailler, hein, parce qu'il y en avait de partout. Donc, elle m'a collé du pouring, pardon, un peu partout. Et je trouve ça top. J'adore, j'adore. En plus, voilà, il est trop beau, son pouring. Et super, super. Donc là, elle m'a sauvé la mise parce que je ne savais pas du tout comment j'allais gérer ce truc. J'étais pas partie sur un fond marin, mais pas du tout. Puis, pas du tout inspiré. Et là, une petite idée. Voilà, vous le verrez à la suite de la vidéo. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc forcément, je l'ai découpé. Voilà, et ces morceaux-là, je vais les récupérer. Soit pour refaire une petite série, peut-être une ATC, ou me les bidouiller, faire un bijou pour ma PL. Et donc voilà, je l'ai coupé. Et je n'ai plus qu'à la mettre dans sa pochette. Vous allez me dire... Pff, j'aurais presque envie de ne rien ajouter, de la laisser telle que je la trouve superbe. Avec le pouring comme ça, ça fait génial, ça fait trop beau. Mais je vais quand même faire un petit truc dessus, donc vraiment un tout petit truc.